Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. On se retrouve pour un nouveau combiné doublement de mise. Bien évidemment, nous allons parler de Ligue des Champions. Donc, combi à 2-11 sur les deux demi-finales retour. Avant que je démarre, pensez que vous avez deux vidéos sur la chaîne, une pour chaque match. Donc j'ai largement développé avec plusieurs pronos les deux matchs. Une vidéo sur le PSG Dortmund et une vidéo sur le Real Bayern. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus. Et également à vous abonner, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. On parle également de NBA, de tennis, etc., etc. Donc si vous aimez les paris sportifs, c'est la chaîne où il faut être. Maintenant, mon combi sur les deux demi-finales retour. On va recommencer donc avec le PSG Dortmund. Mon prono, ce sera une qualif du PSG qui est cotée à 1,53. Le PSG qui est à 90 minutes de la finale de la Ligue des Champions. Bien évidemment, ce ne sera pas évident puisque les Parisiens arrivent avec un but de retard. Ils ont perdu 1-0 en Allemagne. Il faut donc s'imposer par au moins deux buts d'écart ou par un but d'écart pour aller en prolongation. Toutefois, je reste vraiment optimiste pour la qualification pour le PSG sur ce match retour. Comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, Paris, dans son histoire récente, a joué deux fois contre Dortmund en match aller-retour. Une fois l'année du Covid où ils étaient allés en finale et cette année en phase de poule de cette Ligue des Champions. À chaque fois, le PSG s'était imposé 2-0 à la maison, un scénario qui bien évidemment suffirait à se qualifier pour la finale. Alors, à voir si Paris parvient à garder la clean sheet. Moi, je pense pas parce qu'ils ont quand même pas mal de soucis en défense. Mais quoi qu'il en soit, ils ont le potentiel pour s'imposer par deux buts d'écart. Il y a eu les occasions au match aller. Je pense que Dortmund a fait quand même un excellent match en Allemagne et aura du mal à rééditer ce niveau de performance. Donc pour moi, je vois le PSG passer et atteindre la finale de cette Coupe d'Europe. Alors, contre qui, Real ou Bayern? C'est ce que nous allons voir quand je vous aurai parlé du bonus que j'ai choisi pour ce pari. Aujourd'hui, ça va se passer du côté de The Bet puisque l'opérateur double votre premier pari. Donc, mécanique très simple, vous pariez 100 euros et que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 euros de free bet. Donc, vous misez 100 euros, si vous gagnez, vous avez le gain de votre pari plus 100 euros de free bet et si vous perdez, bah, vous récupérez quand même les 100 euros de free bet, crédit de jeu non retirable. Pour en profiter, le lien est dans la description. N'oubliez pas le code promo que vous avez sur votre gauche, x2 RDJ. Alors, deuxième rencontre, Real Bayern. Moi, je vais aller vers une qualif du Real. C'est leur compétition, la Ligue des Champions. D'ailleurs, ils sont largement favoris à 1,38. On rappelle que le Real n'a toujours pas perdu cette saison à domicile. Ils n'ont perdu que contre une seule équipe, c'est l'Atlético Madrid. Et en face, on a quand même un Bayern qui a été bon lors du match aller, qui assure en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est quand même très très fébrile cette saison. Seulement deux victoires lors des 9 derniers déplacements. Pas mal de défaites à l'extérieur qui font un petit peu tache. Alors, ils ont perdu à Stuttgart ce week-end, mais bon, ça compte pas vraiment. Mais ils avaient perdu à la Lazio en huitième de finale. Il n'y a pas longtemps, ils ont perdu à Heidenheim. Ils ont perdu 3-0 contre Leverkusen. Ils ont des incertitudes en défense du côté de De Ligt et d'Eric Dyer. Bref, je pense que contre ce Real qui est la machine ultime en Ligue des Champions et qui est invaincu à domicile, ça va être compliqué pour ce Bayern-là. Donc moi, je vais sans trop hésiter du côté du Real. Donc combi à 2-11, je vous remets le ticket.
Donc ça se passe sur TheBet. Si vous mettez 100 euros sur cette cote à 2,11, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 211 euros plus 100 euros de free bet de votre premier pari doublé. Et si ça ne passe pas, bah vous récupérez toujours les 100 euros de free bet pour continuer de jouer, ce qui est plutôt intéressant. Voilà pour mon combiné pour les deux matchs de Ligue des Champions mardi et mercredi. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Pensez au petit pouce bleu. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et pour tout le monde, veillez à garder une pratique récréative. Imaginez plutôt les paris comme une façon de encore mieux analyser les matchs de football, d'être encore plus passionné et de se pencher sur le jeu de manière extrêmement approfondie. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Profitez du pont pour vous reposer et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez à l'écoute sur la chaîne cet après-midi, petit combiné Ligue Europa. Je vais vous dire ce que je pense ou pas de l'Olympique de Marseille en finale de Ligue Europa. Salut à tous les amis!